Donc on est allé à classroom.isae.edu.lb et on arrive, si c'est la première fois, à un écran de ce genre. Donc ici, vous allez voir que vous avez en haut à droite un petit plus. Ce petit plus va vous permettre de créer ou rejoindre votre premier cours. Donc plus vous rejoindrez un cours, tout à l'heure je vous donnerai l'identifiant de mon cours courant. Et vous pourrez m'y rejoindre ou créer votre propre cours. Juste une petite remarque avant que je commence, c'est que dans le cas où vous avez des Gmail par exemple ou des comptes qui sont liés à Google, vous allez arriver à cette page, mais vous ne serez pas dans l'environnement de l'ISAE. Donc à ce moment-là, je vous invite à vérifier quand vous rentrez dans n'importe quel type d'application qui concerne ou que vous souhaiterez travailler avec l'ISAE, de vérifier que vous êtes bien connecté avec un compte ISAE. Vous remarquez que chez moi d'ailleurs, j'en ai plusieurs. Il y en a qui sont des ISAE et celui-là, c'est un Gmail. Donc c'est pas bon de continuer de travailler dans notre exemple avec un Gmail normal. Il faut que vous travailliez avec le compte ISAE-EDULB, ce qui va nous permettre en même temps de faire les partages de documents dans le Drive. Sinon, le drive lié à Gmail, c'est un drive personnel. Vous n'avez pas les mêmes options ni même les mêmes droits, surtout au niveau du stockage et de la quantité d'informations que vous pouvez transmettre. Avec nos comptes ISAE-EDULB, vous pouvez transmettre une quantité infinie, il n'y a pas de limite, de photos, de vidéos, d'images, tout ce que vous voulez avec nos comptes ISAE-EDULB. Donc, vérifiez que vous êtes bien ISAE-EDULB. J'y vais. Donc, maintenant que je suis dans ISAE-EDULB, d'ailleurs, ici, j'ai un ensemble de cours déjà, je vais créer un nouveau cours. Donc, ici, comme tout à l'heure, il y a soit rejoindre un cours, soit créer un cours. Je vais créer un cours, je vais l'appeler Classroom. Pour ISAE, bon, je vais l'appeler comme ça, section, ce que vous voulez, hein, section prof, objet, formation, initiation, par exemple. Donc voilà, j'ai créé mon cours. Bon, ça tourne.